Bonjour à vous. Nous allons débriefer la 33e journée de Ligue 1 avec un petit focus sur le Nord, Lille. Alors Lille, Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League, on en parle. Voilà, enfin, enfin, les Lillois respirent l'air un petit peu plus haut. C'est la première fois qu'ils montent sur le podium de la Ligue 1. Pourtant, ils en ont eu l'occasion parfois, mais chaque fois, ils avaient raté cette marche qui leur aurait permis d'obtenir cette position-là. Aujourd'hui, ils ont leur destin en main. S'ils gagnent leur dernier match, ils seront en Ligue des Champions. Alors, ils ont réussi le coup parfait, hein, d'une certaine manière, à Nantes. Pas facilement, parce que c'est une victoire un peu en trompe-l'œil, avec une première mi-temps formidable, où on a vu le Lille version, en VF, version Fonseca, avec un jeu absolument incroyable. Donc, un Lille de gala. Et puis, en deuxième période, un Lille qui s'est essoufflé. Bon, essoufflé, c'est gentil, qui s'est effondré quasiment. Mais mine de rien, pour Lille, l'important, c'était cette victoire, parce qu'il fallait à un moment être certain de pouvoir posséder son destin entre ses pieds. Et là, aujourd'hui, Lille peut tranquillement, attendre et voir venir. Alors, imaginez les Lillois mercredi soir. Ouh ! Peinard, canapé, télé, télécommande. Et ça y est, on se met devant Nice contre le Paris Saint-Germain. L'avenir Lillois peut appartenir à ce match-là. Parce qu'imaginons le Paris Saint-Germain réussissant un nul et une victoire. Et bien là, dans ces cas-là, Nice serait plus un candidat pour cette Ligue des Champions. En revanche, si Nice venait à s'imposer contre ce Paris Saint-Germain, là, on va se retrouver dans une confrontation finale, un Lille-Nice dimanche prochain qui risque de faire des étincelles. On remarque que Lille a toujours du mal, vous savez, à un moment, à franchir ce dernier obstacle. L'année dernière, à la dernière journée, ils allaient à 3 pour un match qui, à première vue, était dans les cordes des Lillois, puisqu'ils avaient la Ligue Europa en vue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Patatras, match nul. Donc ça prouve que Lille a toujours un petit peu cette difficulté. Et depuis une semaine, en interne, le discours, c'est de cajoler, d'expliquer que c'est un grand groupe, que tout va bien, surtout de ne pas montrer les failles, mais essayer de mettre en valeur les qualités de ce groupe-là, justement, pour éviter d'avoir ce type de match qui, au dernier moment, pourrait mal se dérouler, parce que mentalement, psychologiquement, il n'y a pas assez de puissance, assez de force dans cette équipe. On verra mercredi soir, et à 23h, on saura si tout va bien ou si tout peut aller mal. Mais heureusement, du côté de Lille, vous avez quand même quelques hommes clés. Alors aujourd'hui, bien sûr, ces hommes clés, le premier d'entre eux, c'est Paulo Fonseca. On sait que l'OM, on l'avait écrit dans le journal, était très intéressé par l'entraîneur. L'entraîneur lui-même se pose pour le moins quelques questions sur son avenir immédiat. N'empêche que Paulo Fonseca, il va vouloir finir, s'il finit à Lille, sur une belle note. Et c'est vraiment l'homme qui a créé ce système de jeu lillois. C'est celui qui a permis à pas mal de joueurs d'hausser un peu leur niveau. Il a mis en valeur aussi beaucoup de jeunes. Donc Paulo Fonseca, vraiment, ça va être un match clé pour lui, comme pour Jonathan David, dont on ne connaît pas non plus l'avenir. Jonathan David, 19 buts déjà en Ligue 1, deuxième buteur, il l'avait fait déjà l'année dernière. C'est vraiment l'homme providentiel un peu de cette équipe. Et puis, vous avez Chevalier, mais malheureusement pour Chevalier, blessure à Nantes, douleur au ménisque, opération, 6-8 semaines d'absence. Il ne sera pas là contre Nice. Ça pourrait être un lourd handicap, parce que c'est quand même un joueur aussi clé dans toute cette saison. Hein. Donc, à première vue, tout est en ordre de marche. Vous avez comme ça des piliers dans cette équipe. Donc, tout semble aller dans leur sens maintenant. Il y a Nice. Mais on verra mercredi soir et après dimanche.